bienvenue pour la suite d'Assassin's Creed Valhalla. Toujours en mode très difficile comme d'hab. Nous sommes à la partie 18 des vidéos. J'espère que vous allez bien les potos. Donc pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures sorties. Pour tout le monde, ben vous savez quoi faire. Tu te prends à boire, tu te prends à manger, tu te mets à l'aise dans le canapé, tu éteins les loupiottes pour être tranquille et bien flipper. Non, tu flippes pas là. Hein? Mais pour avoir une meilleure qualité d'image. Et puis on démarre de là. Ok, allez. Donc nous allons faire en mission principale là une amie avisée. On est à côté. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc surtout n'hésite pas, les commentaires, les likes, voilà, tu sais bien hein, mon ami. J'ai l'impression que tellement de temps a passé. Valka, mon ami, tu es la bienvenue ici. Comment vas-tu? Très bien. Je suis là. Et ta mère? Ma mère a trouvé la paix. Enfin, oh la pauvre. Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve. Et ce, pour l'éternité. Aïe. C'est ce que nous espérons tous. En effet. Donc que penses-tu de mon perso, t'as vu? Elle est mieux, hein? Par rapport au tout et début. Traversée hein. Elle a été exaltante. Les vagues et le vent nous ont aidés dès le départ. Nous avons volé comme des mouettes. J'ai amélioré le bateau aussi, en off. Au-delà de ton apparence austère, je vois dans tes yeux une lueur qui me fait chaud au cœur. C'est peut-être là une forme d'espoir. La colonie grandit, les gens sont heureux, et je me surprends à rêver de gloire. Et tes visions? Elles vont et elles viennent. Mais oublions cela pour l'instant. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. Allez. Par ici. Nous t'avons trouvé un endroit agréable au pied de la colline. Pendant tout mon voyage, j'ai essayé de m'imaginer à quoi ressemblerait cet endroit. Et tu as vu juste? J'ai vu les arbres, l'eau et cette colline. Mais je ne pouvais croire que tout serait si vert. C'est une couleur magnifique, apaisante. Un soulagement pour des yeux baignés de sel. Ah, c'est mieux ici que la Norvège, hein. Il y a moins de neige quand même. Hein. Valka! Par les dieux, qu'est-ce qui t'amène? J'espère que ce n'est pas une malédiction sur la colonie. Ah, la seule malédiction de cet endroit, c'est son grand ego de forgeron. Rare est le sentiment que de traverser la mer. Sérieux. Et de se sentir chez soi. Cet endroit dégage un pouvoir. De la vie. Présentes-tu de grandes choses pour nous? Elles sont dans mon cœur. Valka, c'est bien toi. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Je voulais m'assurer que cet endroit serait à la hauteur. Dès que je serai installée, il faudra que nous parlions, Randy. Et avant que mes bras ne tombent par terre, qu'est-ce que je porte là? Mes réactifs les plus lourds, quelle question. Je te vois, tu regardes pas la télé là. Des baleines, des paillettes. Hein? Oui, fais-la travailler un peu. Voilà ce qu'on veut voir. Tous ces gens que tu regardes la télé ou tu as la malédiction de la Twitch? Attention, attention mon ami. Cela te plaît? Oui, c'est un bonheur de savoir que j'ai bâti cet endroit et assuré la sécurité de ces hommes. Tu parles d'abord de toi en répondant à ma question. Ce qui en dit plus long que tu ne le penses. Salve, Eivor. Ad meliora. Bonjour. Salut. Et qui est cet homme? Octave, un homme étrange. On dirait un Romain. Je crois qu'il te plaira. Regarde là-bas. Ta maison est droit devant nous. Parle-moi de tes visions. Elles sont toujours les mêmes. Rien n'a changé, mis à part leur clarté. Chaque fois, les choses que je vois ressemblent moins à des rêves et plus à des souvenirs. Et le père de toutes choses t'apparaît-il toujours? De temps à autre, oui. Il s'adresse à moi aussi, mais cela paraît fou quand j'en parle à voix haute. Je comprends. Tu peux poser ça là. Merci. Ah ben je vais poser sous la tente, hein. Nous y voilà. C'est beau. Aussi beau que tu l'avais dit. Dès que je me serai installée, nous pourrons nous repencher sur l'objet de tes visions. Valka, je t'en prie. Tu as un don, Eivor. Tu es une sorte de
messagère des dieux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Ouais, mais tu me fais peur avec tes visions. Je connais peut-être un moyen de clarifier tes visions. Un élixir qui pourrait ouvrir la porte de la contrée des dieux. Si tu penses que ce serait utile, je peux terminer ta maison moi-même. Il me faut simplement du temps. Je t'en serai reconnaissant. Merci, Ivor. De rien. Et bienvenue chez toi. Donc, est-ce qu'on peut lui améliorer sa baraque, là? Est-ce que j'ai assez de... Oh là, non, j'ai pas assez. J'en ai que 35, il en faut 60. Bon, mais écoute, ta baraque, ça sera au prochain épisode, hein, meuf. Allez. Je m'entraîne, là. Donc, nous avons fait cette mission, c'est bien cool. Vous savez ce qu'on va faire? Non? Tu le sais pas? Tu veux que je te le dise? Ouais, tu veux que je te dise ce qu'on va faire? Ben non, j'ai pas envie, je vais pas te le dire. Sérieux? Ou alors il faut payer. Pas te dire. Et si, regarde mon ami. On va se... Tu as l'air d'aller bien. On va se prendre une alliance là. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. Ouais, mais je veux que tu me montres la carte. J'aimerais voir la carte des alliances. Donc, Grande Brise, c'est à nous, hein, effectué, ok. Bah écoutez, on va se faire le... Non, j'en sais rien. On va se faire lui, tiens. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Eh ben allez. Je ne vais pas les faire attendre. Fils de Ragnar. Je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Ok. On va y aller en bateau alors, les amis. Qui peut être ce... Une petite balade en mer, tranquille. Trouver Sigurd et lui parler. Ah ouais, 3000 mètres, hein. Waouh. Donc, les poteaux, on a un bateau tout neuf en plus. On va regarder la carte. Ok. Ah ouais, ok, ne plus suivre. De Ragnar. Allez. Allez, en avant, Guingamp. Alors, one again, beast to fly. On n'a pas peur, on est des rappeurs. On ne peut pas naviguer à la voile. Chantez, mes corbeaux. La voile! Regardez comme c'est magnifique, les amis. C'est vraiment de toute beauté, hein, ce jeu, les poteaux. Petite balade en bateau, tranquille. Tant que c'est pas moi qui rame, en plus. Bon, là, il y a... Là, on utilise la voile, donc bon. Je raconte un peu des conneries, mais bon. Ah, sérieux, mec, putain. Evor et le permis bateau, quoi. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, mais on viendra piller plus tard.
Il y a pas mal à piller dans le coin là, ça peut être sympa, hein. Ouais, c'est pas grave. Déposez le marbre. Vaut mieux déposer le mât parce qu'on passe pas sous le pont, hein. Mais moi, je voudrais bien savoir qui c'est le con qui a fait péter le pont, hein. Hissez le mât. Bah, le jour où je saurai qui c'est le con qui a fait péter le pont, le vent peut nous porter, on ira nettement mieux, hein. Hissez la toile. Une chanson maintenant. Nous étions trois jeunes matelots, trois beaux marins grands et costauds, embarqués un jour à Toulon, sans uniforme et sans galon, sur le porte-avions Clémenceau, sur le porte-avions Clémenceau. Nous étions trois jeunes militaires, pas trop amoureux de la guerre, mais nous voulions bien nous faire tondre à l'échange d'un tour du monde, sur un joli bateau en fer, sur un joli bateau en fer. Parce qu'elle est belle, l'histoire des trois matelots, presque aussi belle que le pont du Clémenceau. Bon, j'arrête de chanter, hein, je chante comme une casserole. En plus, on va encore se péter un pont, là. Alors, mettez-moi en commentaire qui est le chanteur de ma chanson, les potos. Un chanteur dont je suis fan, bien sûr. On ne peut pas hisser la voile. Ah. La voile est prête à servir. Plus de voile. C'est vraiment, ce coin est vraiment magnifique. Et je crois que depuis que j'ai commencé le jeu, je n'ai pas fait de balade en bateau avec vous. Ou peut-être une fois, mais un petit truc rapide. Là, voilà, on découvre, c'est... Voilà, mettez ce que vous en pensez. Moi, je suis admiratif, hein, de ce jeu, de ses graphismes, de tout. C'est Assassin's Creed dans toute sa beauté. Mais je le trouve même mieux, celui-là, plus, par rapport aux autres. Les gardes sont vigilants par ici. On reviendra, les mecs. Vous inquiétez pas. Va. Donc on doit trouver Sigurd. Ok. Repton. On est où? 400 mètres. Ben regardez. Ça a été rapide les amis, hein, en bateau. On va s'arrêter là. C'est où? On va s'arrêter là. Je vous laisse vous débrouiller, hein, les gars. J'ai vu que j'avais à faire dans le coin. Je passe par la grande porte, regardez-moi ça. Repton, Sigurd devrait y être, avec les Ragnarsson. Son maître. Ah bah ok, d'accord. À mon avis, c'est sur le clocher, hein, les amis. Ouais, il y a de la paille ici.
On va aller synchroniser rapide, hein, les amis. Un petit saut de foi après, par la suite. Allez, grimpe. On dirait un petit capucin quand elle monte. Regardez-moi ça un peu. Elle est de toute beauté. Vas-y, Ivor. N'a pas peur, t'es un rappeur. Va pas tomber, meuf, hein. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, les amis. On va sauter là, regardez, prêt? Allez, go, come on. J'ai cru que j'allais me manger la toile de tente, là. Donc, mon ami Sigurd, où es-tu? Excusez-moi, je cherche Sigurd, s'il vous plaît. Ah, un coffre. Est-ce que quelqu'un aurait vu Sigurd, s'il vous plaît? Certains vont rester en arrière, à ce qu'il paraît. La moitié des forces est déjà à Tamworth et nous devons aider depuis le sud. C'est à nous de veiller sur cet endroit maintenant, de le protéger. Dommage. J'aurais aimé voir la tête de Burgred devant sa forteresse perdue. Ouais. Mais nous en entendrons les récits hurlés par les morts. Je cherche Sigurd, s'il vous plaît. Un avis de recherche, Sigurd. S-I-G-U-R-D. Merci bien. Il est où, hein? Ou le fils de Ragnar, s'il vous plaît. Ah, c'est pas indiqué sur la carte, là? Ah, ben si, là. T'as pas vu Sigurd, toi, le pêcheur? Non. Non. Putain, où est Sigurd? Bon, là-bas, il y a mon équipe. Est-ce qu'il serait pas là-bas? Attendez. On va se mouiller les petons. T'as vu Sigurd? Non, t'as une tête de champion, toi. Fais voir la tête. Oh là là, c'est la cour des miracles, hein, franchement, les gars. Non, je déconne, les amis, je déconne. Voir la tête de Burgred devant sa forteresse perdue. Mais nous en entendrons les récits hurlés par les héros. T'allais vers un bout. Bord. Un bourg. Bord, putain, un peu des raptors. Ah! Oh là là! Quel accueil! Ils me font un spectacle! Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu la drengre de Sigurd? Igor! Non, Eivor, mec! Et si tu continues? Tu vas finir par tâcher le sol. Ah, il a besoin d'un peu de couleur. Oh. Ah. Qui c'est ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Oh. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Oh mon dieu. Putain. Et aujourd'hui, nous passons des accords. What the fuck, quoi. Pas mon genre. Je vois ça. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse.
Non mais c'est un psychopathe le mec en fait, gros. Hey, c'est bien. Tu es libre, vipère Saxon. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. Quand tu vois sa tête à lui, c'est vraiment la cour des miracles. Hein. Je m'étais pas trompé. Ah. Putain, j'ai eu peur, quoi. J'aurais fait cela autrement. Suis-moi. Wow, what the fuck, putain, ce passage, quoi. Comment s'appelle cet endroit ? Un tas de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de son royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrit. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui. Il parle beaucoup, Ubbe et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Comment il me parle, lui ? Mais t'es ouf, toi, mec ! Et qu'est-ce qui lui prend à accélérer comme ça ? Mais t'es un grand malade ! Oh my god, le mec, quoi ! Il a pris de l'extasie, là, ne d'un me coup. Prends pas pour une idiote, Ubbe. Je sais que Burgred t'a envoyé un Bergen. C'est un fou, lui. Il est plus fada que moi, quoi. Et ça, c'est que moi qui ai le droit de le dire que je suis fada. Hein? Je n'irai nulle part pour ça. Mais non, je déconne, parle à ma mère. C'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant, oh. Décampe. What the fuck? Scanner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ubbe. J'ai les guerriers qu'il te faut. Si elle en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ubbe et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane Cheowulf. Je ne convoitais pas ce rôle. Mais c'est ce dont la Mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement Saxon comme Danois. Tu penses avoir l'étoffe d'un roi ? Un jour, je l'espère. Pour l'instant, nous avons au moins un accord. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Cheowulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Burgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Burgred, couronnons Cheowulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Burgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat. Lui, il n'est pas très catholique, le mec. Sache hein, que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. Cheowulf a raison d'être prudent. S'il se montre clément envers Burgred, les gens auront des raisons de lui faire confiance. C'est mon avis, oui. Et plus tôt nous agirons, plus de vies nous épargnerons, dans les deux camps. C'est un bon plan, mon frère. Ouais. Je me tiens prête à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy.
Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Yeah, Wakatep Babon. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers, alors que s'abatte la grêle de flèches. La bataille commence. Ah, tu n'as jamais dit qu'elle était poète. Il faut que j'aille pisser. Si, si, c'est une poète disparue. Nous avons un campement avancé. Moi, je l'ai retrouvé. Nous accompagnes-tu ? C'est Evor, la poète. Suis. Va observer Repton, si tu veux. Quand tu seras prête, retrouve-nous sur les quais. Non, mais je suis prête. Je suis prête, mon vieux. Et toi, soyez venu. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Cheowulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Commente, like, commente, like, et abonne-toi. Donc, les quais. Une ville vivante, beaucoup de choses à voir. Ouais, mais tu reviendras, c'est pas grave. Va sur les quais, tranquille. Hop. Hop. Hop, un petit slalom, tranquille. Regardez-moi ça. Ouais, oh, yeah. Glissade. Je suis là, les amis. On y va. Au sud-est. Eivor. Ouais. Ta hache est-elle affûtée ? Ouais. Je suis prête pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Ouais. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Eivor, mais c'est toi la légende. Ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont endurcir. Ils feront de toi un homme. Nul besoin de se battre pour être... Allez ! Non, lui, faut pas l'amener, il va lui y arriver pépin. Je le sens. C'est ici qu'on se bat. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Cheowulf. Pourquoi n'est-il pas dans ses quartiers ? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas ? Non, je pense pas. Jeter au loup un gamin qui empeste la peur n'est pas le meilleur moyen voilà, de merci. Le former. Tu es sûr que c'est ce que désire Cheowulf ? Il n'a pas été précis quant à la méthode. Ben, il va rester là. Ivar ! Il va rester là, le gamin. Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Tu entends ça, petit ? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. Non mais... T'es un fada toi, franchement. Je supporte pas. À cheval, Eivor. Chevauchée est longue jusqu'à Tavoars. Ouais, mais moi je voulais piquer un cheval, là. Mon frère n'est pas très facile. Il est toujours à la recherche de moyens de se distraire. Je m'en souviendrai. Et ouvre bien l'œil. Le sens, ça, Chialbert ? C'est l'odeur de la jalousie. On en vit notre amitié naissante. Ouais. Il va y avoir du combat, à mon avis, les amis, là. Donc, Pourquoi le fils de Cheowulf est-il arrivé ? Accrochez-vous bien, il va y avoir du sport. Et moi, j'aime ça. Le moyen pour Cheowulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils. Plus au milieu sûr d'une pour bande qui ? De Danois. Ivar et toi avaient apparemment fait de ce comté un enfer. Les Firdes sont avec nous, les petites gens. Burgred a toujours des soldats dans toute la Mercy. Ils lui sont fidèles. Et prêts à mourir pour le protéger. Eh bon, vous pouvez passer la seconde, là, non ? Tu as une bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. Mais tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu, alors ?
du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Tandberg, en Norvège. Il y aurait qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Eh, tu sais pas faire ça, toi? Du moins ceux qui restent. Je n'aurais pas mieux dit. Vous savez pas faire ça sur votre cheval, hein? Hein? Eh ouais. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège? Oui. La Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald. D'une grande sagesse, son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? Je l'ai été, oui. Quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, ah, ils avancent pas plus vite, hein. Ce roi Harald, par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de chant de Skald, la Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant, ouais. On dit que l'Angleterre est deux fois plus petite que la Norvège, et nous avons quatre royaumes et autant de rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné? Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. Je le sais à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. La première bataille est pour bientôt, jeune Thjolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. Non, mais il faut pas le faire combattre, le gamin. Il a pas l'étoffe, il a en pas l'étoffe. En réalité, Thjolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel? Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison, dont je ressens toujours la morsure. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon. Si tu n'étais pas Atling, je t'engagerais comme Skald. Skald? Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cour. Une heure après, on arrive. C'est de cela dont tu parles? Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Cette idée me plaît beaucoup. Leur chevaux, il va vraiment pas vite, hein, franchement. Allez, on galope un peu là, hein, c'est un miracle. Allez les filles. Waouh. Ah, ils sont pas pressés les mecs, hein. Un petit trot tranquille quoi, c'est pas comme s'ils allaient se battre, hein. Allez, on arrive. Sans mettre. Je ne dois pas être vu par ici. Bon, ben c'est là que ça va tout commencer. Du sport, comme je vous l'ai dit. Vous êtes bien installé, vous êtes pris une bonne boisson. Attendez, je muscle mes petits doigts là. Que dans ce mode, il faut y aller du joystick, je vous le dis. Bon. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées. King Burger. Souiller, ah non, Burgred. Attention, seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leur demande. Nous ne survivrons pas à un combat. Mmh. C'est toi, Léofrit? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar, fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred.
Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercy. Tu préférerais quelqu'un du Nord? Nous sommes moins doux, mais nous faisons de meilleurs poètes. Danois, du Nord, chiens, vous n'êtes tous que des mécréants. Oh, c'est pas bien, ça. Je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesures. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. C'est ce qui va t'arriver, mec, tu vas mourir, hein. Pas de choix. Tu veux ma couronne, Ubbe Ragnarsson? Tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur. On retourne au campement, et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Ah bon, on n'y va pas maintenant? Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Tu sais manier un bélier? J'en ai déjà vu un. Je veux que tu t'occupes d'une autre. Tu es forte et agile. J'accepte. Moi aussi. Ok. Bon ben on va aller manier le bélier, hein. J'aime la voix. Mettre à l'épreuve ton talent à l'horloge. Qui es-tu? Eivor, l'ami des loups. Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le bélier. Burgred a préféré combattre. Il va être servi. Tu es prête à y aller? Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Moi, j'aurais préféré une chèvre plutôt qu'un bélier, mais bon. Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait? Cholbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrit m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est non, impossible. Non. Surtout avec Léofrit. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Cache-toi, cache-toi, tu vas te faire tuer. Tu vas te faire tuer, t'es un gamin. Allez! Elle est belle ton épée, elle est belle. Quel préparatif! Quel préparatif! Regardez, ben écoutez, on va. Attendez, non? Voilà, on va reprendre là, les amis. Donc les poteaux, et bien voilà, je vous ai mis l'eau à la bouche. Le combat au prochain épisode, les amis. Et oui, ça se passe comme ça chez McDonald's, non chez NackTwitch. Donc en tout cas, et bien merci à tous pour avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, c'était bien cool. Pour toi qui es nouveau, tu as pensé à t'abonner.
Activez la cloche des notifications, c'est important pour ne rien rater des futures sorties. Et pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Portez-vous bien, je ne vous le dirai jamais assez, c'est important, la santé et tout. Hein. Portez-moi bien aussi, je vous le dirai toujours, jamais assez. On se dit bye bye, à bientôt, reste cool bébé, je vous aime à tous, allez ciao.